le 19e roi Tachigamana reste un peu chardin parce que je suis au fond il est un rack sur la frange غرنز المراكش اليوم ولكن فين هما البيضاويين فين هما ولاد كازا ما كتسمعش كازا في كازا شويه الرباط كاين الرباط ومراكش Oui. Il a créé toute une polémique. Quelle est votre réaction à cette polémique? Moi, je pense que la polémique, elle peut être constructive. Elle n'est pas uniquement négative, mais il faut d'abord voir le film et après polémiquer. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec les gens qui voient le film et qui ont un débat. Parce que moi, je suis né au Maroc, dans une terre de tolérance, dans une terre de fraternité, et on a eu l'habitude de discuter entre nous. Et la plupart des gens qui créent la polémique, en général, ils n'ont pas vu le film. Quand ils le voient, même s'ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Moi, j'ai aucun problème à ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on discute. Vous êtes converti, oui ou non? Mais la réponse, elle est dans le film. Ah oui, vous êtes toujours aussi fort, je les reconnais maintenant. Le 360, ils sont toujours un peu percutants, mais c'est bien. Parce que là, les coms. La réponse est dans le film. Mais si je vous dis, je vais spoiler le film. C'est la cinquième fois que vous prêtez votre voix à Gru dans Les Mignons. Alors, qu'est-ce que ça a apporté à votre carrière? Ben, c'est-à-dire que c'est une fidélisation avec le public qui adore ce personnage. Le film, comme vous le savez, il est dans le monde entier. Moi, c'est une fierté de faire la voix en français parce que c'est un grand acteur, Steve Carell, aux États-Unis, qui le fait. Dans ma carrière, ça m'apporte une exposition avec des enfants. Je vais vous raconter un truc marrant. L'été dernier, j'étais en vacances et il y a une dame qui a dit à son fils « Regarde, c'est Kate Lemel !» Et le petit, il avait 5 ans, il ne m'a pas reconnu. Et moi, j'ai dit « Ah bon ?» J'étais le voir. Je lui ai dit « Tu connais Les Mignons ?» Il m'a dit « Oui. » Je lui ai dit « C'est moi qui fais la voix de Gru. » Et il m'a dit « Ah ouais, c'est toi. » Et je réalise qu'il y a des enfants qui ne me connaissent qu'à travers Gru, tellement le film est fort. Et forcément, plus on vieillit, moins les enfants nous connaissent. Donc ça me connecte à un public qui est beaucoup plus jeune. Et ça, c'est top. Prochain One Man Show ? Le prochain One Man Show, il va être en écriture bientôt, Inch'Allah. Et j'espère pouvoir jouer bientôt au Maroc. Et j'espère, c'est un message que je passe, que les deux théâtres qui sont magnifiques, à Casa et à Rabat, vont ouvrir bientôt. J'ai eu l'occasion de visiter celui de Casa. C'est un des plus beaux théâtres du monde. S'il vous plaît, ouvrez-le, qu'on puisse venir jouer, les artistes marocains et internationaux, qu'on puisse se produire dans les théâtres marocains. J'espère, Inch'Allah, qu'on va ouvrir ces théâtres qui sont magnifique. On a des très beaux théâtres au Maroc, nouveaux, à Rabat et à Casa, ouvrez-les.